5 seconds. Good luck, everyone. Hey, I'm Sean Kidney. You might have seen me on the earlier when we did an introduction. I'm the CEO of the Climate Bonds Initiative. I'm the moderator today for this session on transparency and reporting in the green bonds market. I don't know how much you realise how important this is, but underpinning, in fact, the essence of this whole green bonds and sustainable bonds story over the last 10 years, in fact, it's about 13 years now, has been this idea of reporting. How we tell our investors what we're doing, what we plan to do, and then how we report afterwards that we've actually done it. Builds confidence in the market, in fact, underpins confidence in the market. Without it, frankly, we would not have a market. Now, we owe a great debt to, in fact, three folks who got this thing, this idea of the independent review going. The World Bank, when they did their green bond, their inaugural green bond in 2008. Now, I won't go to the stories why. It's a fun story over a beer one night. Working at their underwriter, SEB, organised independent review of their green bond. They got CICERO, the University of Oslo Climate Change Research Centre, to review their proposal for investment of the proceeds of the bond. Investors loved it. And that is the beginning of the story of the underpinning of the structures of this particular market. Now we have $2 trillion, close to, of outstanding in this particular market, with the larger part of it, we'll hear a bit more details in a minute from Miguel Alameda, focused on proper reporting, independent reviews, etc., etc. Work to be done. Today we have a panel that will tease out this issue. But before that, I just want to throw to you one conversation that I had recently from a major investor in sovereign green bonds. They were saying they want more sovereign. Nous avons des marchés émergents qui sont dans un format durable, qui ont la transparence et le reporting. Et les gens, les investisseurs aiment l'idée justement qu'ils sont, ils ont des gens qui vont vérifier ce qui se passe. Et ce niveau de reporting, de transparence est extrêmement important pour les États et les investisseurs, parce que les obligations souveraines correspondent à environ 70% du marché, et ça va être le prochain domaine de croissance des obligations vertes. Nous allons maintenant parler des obligations souveraines. Nous avons 4 orateurs et ces intervenants vont nous expliquer justement sur cela. Nous avons Luca Lorenzo, Sean Kearney, Luc Lorenz, Doris Kramer, Miguel Almeida, Marianetto, Piet Klopp et Tom. Je vais donner la parole à Miguel Almeida, qui est notre gérant de recherche à CBI, pour qu'il nous donne un aperçu et nous fasse une petite annonce essentiellement de ce que sont ces obligations. Miguel, si tu peux commencer, merci. Merci beaucoup, Sean. Bonjour à tous. En premier lieu, je vais vous montrer quelques diapos et après, nous aurons ma présentation. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à cette séance sur le reporting et la transparence dans le marché des obligations vertes. Nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous. Nous voulons commencer en remerciant nos sponsors JP Morgan, Crédit Suisse, Ping An, Citi, Luxembourg, Definitive, PNB Paribas, IHS Market, FDS Africa, la Banque de développement interaméricaine, SCA Trust et d'autres. Avant de commencer, nous allons vous passer quelques petites annonces. Alors, vous pouvez poser votre question dans la boîte de clavardage et des autres informations sur la conférence peuvent également être demandées sur le chat où vous pouvez écrire et nous sommes là pour vous donner les réponses. Nous avons l'interprétation simultanée vers le chinois, le portugais, l'espagnol, le français et vous avez toutes ces options sur votre écran. Les présentations seront
enregistrées et seront disponibilisées jusqu'en novembre. Et nous avons tous les avantages que sont offerts pour vous comme membre de presse. Vous pouvez entrer dans notre cabine virtuelle si vous avez une question quelconque par rapport à cette média. Je veux passer la parole donc à Miguel qui va passer à la prochaine diapo. Nous allons directement au contenu maintenant. Merci beaucoup. Comme on venait de le dire, je suis gérant de recherche dans l'équipe d'intelligence de marché dans CBI. J'ai fait beaucoup de travaux d'analyse dans le marché depuis déjà 3 ans. Je travaille de plus en plus avec le reporting. Je suis un des auteurs de ce rapport sur le marché et je vais vous parler sur notre travail dans le marché et jusqu'à quel point nous pouvons faire des choses. Je veux répéter avant ce que Sean a dit, ce que le reporting est fondamental parce que ça ajoute la transparence du marché qui est toujours extrêmement important quand le marché existe pour créer des bénéfices environnementaux et sociaux et pour que les gouvernements puissent utiliser les ressources financières dans les activités. Le reporting, donc, est l'un des 4 composantes centrales des principes des obligations vertes. Ce est de ce que nous faisons dans CBI. Notre travail a été vraiment une étude périodique du marché des obligations et des titres. Nous n'avons pas encore analysé toutes les obligations thématiques. Nous avons fait la 3e version de cette étude cette année. L'année antérieure a eu des impacts sur le processus. Comme vous pouvez voir ici, nous avons analysé plus de 700 business de plusieurs émetteurs avec 200 milliards de dollars qui ont été émis. Et tout cela est dans la banque de données de CBI entre le premier trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2019. Et par rapport aux espoirs et exigences, nous avons analysé les impacts environnementaux des titres et des obligations vertes et dans ce rapport. Et évidemment, c'est un processus qui est développé avec un certain temps. Ça a pris au moins 1 an. Nous avons eu une équipe qui a fait cette recherche en 2020 par rapport aux objectifs. Nous en avons 3 principaux. D'abord, comprendre la disponibilité de ces rapports, de ces séances, de ces régions, et comment les régions présentent leurs rapports et les divers experts. Nous avons vu plusieurs régions. Nous avons également la construction de connaissances, le développement du marché, ainsi que d'autres objectifs, comme par exemple l'allocation des fonds, ce qui est fait dans l'émission et dans la diffusion. Nous avons quelques conclusions principales ici. Donc, quelles sont nos conclusion pour notre étude. Je vais vous dire, nous avons donc les résultats avec le rapport qui sont en ligne avec nos résultats antérieurs. Nous avons essayé de comprendre ce que cela signifiait. Essentiellement, nous avons ici le rapport et nous devons avoir de plus en plus de ponctualité dans ces résultats. Nous avons 1 an pour une période de découpage avec, entre 2020 et 2019, avec une grande partie du marché qui n'avait pas ce rapport avant pour la recherche. Depuis lors, ils l'ont reçu. Et c'est une chose que nous avons identifiée, ce rapport des manques. Faisait vraiment créer une lacune avant dans le marché. Ce qui est important, c'est de savoir que la disponibilité de ce rapport n'est pas un problème, mais surtout la variation dans la consistance. Et nous avons vos analyses. Vous voyez le rating, la ponctuation qui varie dans le marché. Et nous avons donc cette variation de qualité. Et nous avons également donc un manque de consistance créé par ce problème de différence dans les ponctuations. Nous pensons que c'est mené par la nature fragmentée et dans l'absence d'un format de rapport.
Les émetteurs se voient forcés à penser d'une façon indépendante et ce manque de compétence dans le domaine de l'impact qui est plus complexe que le rapport d'affectation des fonds nous fait justement des problèmes de consistance. Nous avons des problèmes dans les évaluations d'impact, ce qui impacte les investisseurs. Nous avons vu une amélioration dans le marché et c'est sur cela que je vais centraliser mon attention aujourd'hui. Si on examine ce rapport d'impact, nous voyons qu'il y a plusieurs formes d'aborder cela pour calculer les risques. Et il y a ce manque de consistance dont j'ai parlé. Nous avons fait une analyse quantitative des plusieurs aspects et nous avons vu où les impacts étaient rapportés pour des obligations singulières ou en groupe, le genre de programme avec des sous-catégories de portefeuille. Et si nous avons vu les rapports des projets et des projets d'énergie, de transport, etc., nous avions donc des évaluations ex post et ex ante et dans les mesures quand elles ont été les mesures héliométriques comparées avec les impacts estimés et des mesures, par exemple, qui ont des impacts plus simples, comme l'énergie qui a été générée. Nous avons vu les méthodologies pour calculer les divers impacts. Nous en avons plusieurs listés ici dans ce rapport. Lié à cela, nous avons la variété de métriques utilisées dans plusieurs catégories. Nous avons des catégories qui sont similaires et nous avions les mêmes métriques pour les différents émetteurs, ce qui parfois n'est pas très clair. Ça rend donc la mesure un peu obscure et selon le domaine, ça peut créer justement des problèmes parce qu'il y a des caractéristiques qui sont différentes. Nous avons fait cette analyse, l'analyse des impacts et les facteurs d'émission utilisés pour ces métriques. Nous avons mesuré les émissions de gaz, d'effets de serre et s'ils correspondaient à cet impact. Et nous avons donc ces impacts appuyés par les émetteurs qui ont la partie de ce financement des projets pour les obligations vertes. Souvent, cela se réfère justement aux impacts de ces projets et non pas aux obligations elles-mêmes. Et il y a donc cette variation dans les rapports. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons donc de faire le reporting. Les impacts, nous avons également la question des informations sur les émissions qui ne sont pas très claires, ce qui affecte la comptabilité. Et nous avons essayé de ne pas trop changer les choses, mais de collecter les impacts. Nous avons eu comme objectif de créer des banques de données. Mais comme je l'ai dit, à ce manque de disponibilité de certaines informations, d'absence d'impact et de variabilité et de non-comparaison des impacts, nous avons vu que c'était un sujet assez complexe. Nous n'avons pas donc agrégé les données d'impact. Le besoin de rapports plus harmonisés. Nous avons organisé nos efforts au niveau mondial pour harmoniser ces rapports. Nous avons deux groupes. En premier lieu, nous avons l'orientation ici et les principes des obligations vertes. Nous avons des directives et nous avons les principes de comment nous voulons rapporter tout cela. Et dans cette orientation, nous avons les objectifs pour le rapport, comment les diffuser ces impacts. Et nous avons également la partie plus ample qui est justement le cadre pour le reporting d'impact qui est publié par ICMA, qui est utilisé plusieurs fois. ICMA a monté un groupe de travail pour le reporting des impacts, ce qui a été fondamental pour le développement de ce cadre et qui a présenté plusieurs recommandations qui ont suggéré des métriques justement pour le format des rapports, un format qui est extrêmement utile pour les émetteurs et pour les investisseurs. Nous avons également des obligations vertes qui ont été mises à jour et l'addition
de ces obligations vertes. Nous avons vu donc une augmentation du niveau des opportunités comme celles que nous voyons dans CFF. Un autre exemple important ici étant les TIP qui ont été publiés sur ce rapport d'impact avec des émetteurs du secteur public, ce qui peut être appliqué dans différents secteurs. Également, nous avons des émetteurs qui ont servi de référence dans d'autres régions. Et c'est la même chose pour ce qui a trait à l'embargure. Et nous avons donc ce cadre harmonisé qui est très commun dans le marché. Il représente cependant encore une portion très petite. Il serait intéressant d'être utilisé par les émetteurs. Nous avons également un standard pour les obligations vertes qui inclut des recommandations pour le reporting, ce qui est vraiment est lié à ce cadre harmonisé. Nous avons l'exigence justement de remplir ces, se conformer à ces standards, ce qui va mener à un rapport harmonisé dans le marché. Et nous voyons des pays non européens qui sont intéressés à travailler avec nous pour obtenir ces objectifs. À ces pays, nous donnons également des recommandations et je vais parler de notre rapport le plus récent. J'en ai parlé dans l'atelier de hier. Regardez les enregistrements pour que vous puissiez voir les questions des meilleures pratiques recommandées par CBI. Finalement, nous avons quelques autres orientations spécifiques par secteur et par pays et par méthodologie. Nous avons plusieurs méthodologies montrées dans notre rapport qui sont centrées sur les impacts et certaines qui sont liées spécifiquement à des obligations vertes. Il y a des méthodologies spéciales pour la création de ces rapports qui sont plus utiles par rapport à ce que j'ai vu ici sur cette diapo. Idéalement, les émetteurs utiliseraient ces cadres pour publier leurs rapports. En passant aux plateformes, c'est une chose qui est assez nouvelle sur le marché. Nous avons des plateformes qui parviennent à centraliser les données de rapport dans le cadre des obligations vertes. Et elles peuvent représenter donc des outils très importants, très puissants, qui deviendront encore plus importants dans le futur. Et nous voudrions vraiment souligner le Green Asset Wallet. Nous avons également la plateforme de transparence des Green Bonds qui a été développée pour l'Amérique latine et qui a été lancée il y a quelques mois à peine. Et nous avons également d'autres plateformes qui sont assez connues, qui sont lancées par Nasdaq, qui est la plateforme. Et nous avons un autre groupe qui peut être ajouté à cette réglementation qui implique justement un reporting obligatoire et donc est plus formalisé. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas de règles établies qui dicte que l'on doit faire ce rapport des obligations vertes, mais c'est très lié à cela. Il faut vraiment avoir cette transparence et c'est lié avec les facteurs sur le marché. Donc, il nous faut avoir des règles qui soient obligatoires et des standards pour les obligations vertes qui exigent donc ce reporting. Ce n'est pas encore une règle, c'est facultatif, mais nous avons ces règles plus amples qui affectent les rapports de titres d'obligations vertes parce qu'elles exigent qu'on soit en conformité avec la taxonomie. Nous avons plusieurs efforts dans ce sens, comme nous voulons de le dire, mais où cela mène-t-il le marché et comment sera le futur? Je crois qu'il est important de comprendre un peu qui nous sommes. Nous sommes une ONG indépendante, CBI, et je pense que cela peut rendre les choses plus difficiles étant donné qu'il y a d'autres groupes sur le marché, mais c'est bon également d'un autre côté parce que ça nous donne une vision générale du marché comme civil et cela, en voyant comment nous pouvons travailler cela sous ce point de vue comme nous l'avons fait. Et nous avons donc un reporting des obligations vertes qui va augmenter. Et en premier lieu, nous voulons préconiser justement l'harmonisation qui est nécessaire dans les rapports pour que nous puissions bien comprendre les impacts. Cela doit être basé sur un bon rapport. Donc, l'harmonisation des pratiques également. Nous sommes encore loin d'avoir un cadre harmonisé et unifié, mais le travail est en train d'être développé dans ce sens. Nous avons un article qui a été écrit
celle qui a été publiée récemment. Et nous avons donc cette communication par rapport aux obligations vertes. Et cela, il y a vraiment des... quand nous sommes en conformité avec la taxonomie, nous sommes également... nous suivons ces recommandations dans ces plateformes. Alors, ce que nous pouvons voir, c'est que les émetteurs devront pouvoir utiliser les directives car la plupart du marché ne les utilisent encore et cela reflète peut-être un manque de connaissances. Nous avons également les ressources qui doivent être faites. En plus de cela, nous devons... nous avons surtout besoin de collaboration entre les diverses personnes pour améliorer cette situation. CBI va augmenter sa conversation, son dialogue avec les diverses parties prenantes du marché. Et nous faisons cela, cette analyse. Nous avons encore des progrès par rapport à ce genre de rapport qui sont importants pour souligner ce que je viens de dire. Ce que j'ai vu clairement, c'est lié à toute cette harmonisation. Nous avons d'autres détails dans notre rapport. Nous avons justement un langage commun basé sur les meilleures pratiques actuelles et il nous faut améliorer un peu cela si nous voulons vraiment évaluer la performance sociale et environnementale des projets pour que nous ayons un bon reporting sur les obligations vertes. Parce que souvent, nous n'avons pas de possibilité de comparer les impacts et d'une certaine façon, c'est un sous-ensemble des impacts des projets qui sont rapportés. Et il nous faut voir les impacts liés au résultat du projet, l'énergie générée dans les projets énergétiques, le nombre de passagers transportés dans les projets de transport, les émissions évitées. Ça va évidemment être différent selon les projets, mais il nous faut également avoir des impacts sur un rapport, pardon, sur les impacts secondaires, même quand ce n'est pas le focus des projets. Ces impacts secondaires sont importants et doivent faire partie justement du reporting. Mais évidemment, il faut qu'ils soient rapportés pour permettre une meilleure connaissance des investisseurs. Il est toujours bon de comprendre les détails, mais il nous faut prendre en compte qu'il nous faut surtout harmoniser cela avec la taxonomie à laquelle nous devons être conformes et un standard pour les titres. Il faut qu'il y ait plus de visibilité pour les impacts et on finit par dépendre beaucoup d'avoir des métriques bien développées et on les développe, on voit comment elles sont calculées avec les lignes de base, les émissions évitées de gaz d'effet de serre, économie d'énergie et d'eau, etc. Comme par exemple l'utilisation de l'énergie générée et la perspective de vraiment mesurer l'impact sur la planète, ainsi que les perspectives scientifiques qu'il nous faut prendre en compte. Ces métriques absolues sont importantes parce qu'elles nous donnent cette possibilité d'avoir une vision plus large et nous pouvons voir combien nous avons vu le monde se réchauffer et non pas seulement combien nous avons évité. Ça ne veut pas dire que les métriques absolues ne soient pas importantes, mais c'est très important d'avoir cela vraiment dans un contexte. Et ces métriques absolues doivent être donc reportées avec les métriques relatives. Et les réviseurs ne rapportent pas cela souvent. Et pour conclure, à moyen terme, nous pouvons dire que nous avons les obligations vertes, donc qui doivent être harmonisées. Nous avons le reporting basé sur ce qu'a fait l'organisation. Nous avons d'autres parties qui ont été augmentées. Il nous faut donc fournir également des informations sur les stratégies et sur les nouvelles taxonomies. En plus de cela, nous pouvons avoir l'objectif d'utiliser ce cadre pour faire l'évaluation de ces instruments transversaux financiers. Et nous avons des projets transversaux entre les régions parce que, alors que nous avons des limitations qui peuvent classifier la performance, quand c'est contextualisé, nous pouvons voir mieux les résultats. Et nous pouvons voir que les diverses organisations essaient d'adhérer à la taxonomie et nous devons donc avoir cette
adhérence à la taxonomie et aux standards pour pouvoir comparer les différents projets. Nous avons également une conciliation dans ces différents cadres pour pouvoir développer la fondation d'un rapport commun entre toutes. Ces autres organismes qui font partie de cette fondation nous offrent des outils de développement pour le reporting des entreprises et cela va avoir des implications pour le rapport des obligations vertes. Finalement, c'est important parce que la durabilité de ce flux de capital dans le secteur privé est important. Le secteur privé doit savoir que tout cela a un impact et a besoin de ces données. Il nous faut donc évaluer les impacts d'une façon holistique pour pouvoir évaluer ce qui a été fait d'une façon productive. Je suis 100% sûr que nous pouvons construire une économie qui sera vraiment menée de l'avant par les impacts positifs. Et ce sera possible si nous avons justement ce rapport harmonisé. Et cela commence par une évaluation justement de la performance d'une façon holistique et élargie de ce qui a été fait. Et c'est ce que je voulais justement couvrir avec vous. Peut-être que nous aurons des commentaires sur ce que je viens de partager avec vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous remercie si vous pouvez parler de notre rapport. Je vous passe la parole, Sean. Merci beaucoup. Les rapports sont extrêmement importants. Beaucoup de rapports sont en train d'être publiés pendant cette conférence. Ils sont tous mis à disposition dans notre site Internet. Alors, cherchez ces rapports, lisez-les. Il y a beaucoup de références utiles. Merci beaucoup, Miguel, pour avoir fait cette présentation initiale. J'ai le privilège maintenant d'inviter Maria Neto, qui va nous parler. Elle est spécialiste principale du marché de capitaux dans la Banque interaméricaine de développement. En fait, nous avons eu le privilège de travailler avec le BID. Et nous avons ici d'autres d'autres personnes qui sont extrêmement intéressantes dans ce panel et qui justement vont nous aider à mener de l'avant ces obligations vertes. Et je vois Kitlop qui est responsable justement des investissements à PGM et qu'il est chargé de tout. Il est responsable des investissements PGGM et c'est comme qu'il a été responsable justement d'amener les choses de l'avant dans PGGM. Et nous avons Timothée Jolin qui est le chef de développement et de défense de ESG et des opérations spéciales et également de l'application des obligations vertes dans les marchés. Nous avons également Luca De Lorenzo qui est, malgré son nom fantastique, travaille pour une banque d'investissement Nordic Investment Bank et il travaille en Finlande et il est chef de durabilité et des mandats. Et il fait partie du reporting et de cette institution et dans d'autres institutions. Et il peut nous parler beaucoup de reporting. Merci beaucoup. Je vais commencer avec Timothy Jolin, qui représente donc la grande entité d'investissement. Ce n'est pas si grande que Amundi. Je vais commencer donc à Amundi parce que non, ce n'est pas si grande que ça. Nous allons commencer parce que tout ce marché est conduit justement par la demande des investisseurs et c'est vraiment le propos de ce marché. Et malgré tout cela, j'ai commencé mes commentaires avec la Banque mondiale qui a donné justement le coup de pied initial à cette idée, mais c'est un marché qui est mené par les investisseurs. Il nous faut nous en rappeler et il nous faut nous rappeler de cela. Et tester.
pour maintenir le marché vivant. Ce sont donc les investisseurs. Et cela a trait au changement. Je voudrais qu'il nous parle donc à cet égard et aussi de la transparence des rapports. Quel est donc votre avis, Timothy? Bien, merci beaucoup, Sean. Je suis d'accord. Ce marché est un marché qui est motivé par les investisseurs ainsi que les émetteurs ont un rôle très important à jouer. Et la raison pour cela est que les titres verts ont des caractéristiques essentielles qui leur ont donné cette grande réussite. La première des caractéristiques est le fait que c'est un titre. Le deuxième point, c'est qu'il se concentre sur la solution. Et le troisième, c'est qu'en général, il est assez souple en ce qui concerne son allocation. Donc, ce sont les trois caractéristiques majeures qui expliquent le succès des titres verts. Cela, sans aucun doute, il y a un fort appétit aussi dans le monde entier pour l'élargissement d'instruments et d'outils plus durables. Et aussi, lorsque l'on parle de transparence et d'élaboration de rapports, si nous voulons comprendre les besoins des investisseurs, nous devons faire une distinction entre ce qui rend notre vie plus facile et pas ce qui est le plus important. Ce qui rend notre vie plus facile, naturellement, c'est l'émergence d'une trajectoire qui va mettre à notre disposition des métriques qui sont comparables et dans la même fréquence, en utilisant la même ligne de base, la même méthodologie. Et cela rend plus facile le travail des émetteurs d'actifs pour l'émission de leur rapport. Mais si nous pensons vraiment à ce qui est important, on ne peut pas laisser de côté le fait que le marché. Dans le monde réel, le marché recherche une capitalisation. Je voudrais savoir à quel point ces rapports de transparence sont vraiment des motivateurs essentiels pour que le titre, le marché de titres de titres verts puisse promouvoir la décarbonisation. Et il s'agit d'avoir une interaction avec les émetteurs, des investisseurs entre leur stratégie et les actifs qu'ils financent. Et la transparence des rapports permet cela. Et nous devons également nous concentrer dans la mesure du possible sur le côté plus conventionnel et traditionnel du marché. Et c'est justement où les émetteurs pourraient faire davantage. Ce sont les premiers pas, disons, de ce parcours de durabilité. C'est donc ce point-là que les pratiques de transparence et de transparence de rapport peuvent nous aider. Nous devons avoir la capacité de motiver la transition énergétique dans les marchés et émergents. Nous devons soutenir cette transition énergétique dans le cas des actifs qui peuvent poser des problèmes. Nous parlons de sociétés moyennes et de marchés de capitaux, de marchés émergents. Ce que je veux donc vous dire, c'est que les rapports sont importants, la transparence également, nous encourageons les bonnes pratiques, mais pas tout simplement pour rendre plus facile la vie des gestionnaires des actifs, mais pour motiver la décarbonisation. C'est un commentaire très important que vous venez de faire.
J'ai eu quelques conversations intéressantes tout au long des derniers jours sur l'application du standard européen de la taxonomie et comment trouver un équilibre idéal. Et à vrai dire, il s'agit d'une question qui est dans l'esprit de tout le monde. Merci de vos commentaires. Je voudrais maintenant vous passer la parole. Vous avez été très utile vis-à-vis de tout ce processus et la KFW. Vous nous avez aidé à mettre en place tout cela sur le marché et les émissions. Et je sais que vous avez fait tant pour la popularisation des titres verts. Je voudrais savoir votre avis et savoir quelles sont les questions principales et si vous pouvez faire des commentaires au sujet de ce que nous a dit Timothy de trouver un équilibre, comment nous pouvons travailler sur la chose qui est correcte. Oui, maintenant, oui, d'accord. Merci beaucoup de l'invitation à participer à ce panel. La question des rapports est très importante, pas seulement pour mon travail personnel, mais pour la KFW de façon générale. Lorsque nous avons commencé à émettre des titres verts en 2014, nous étions dans une très bonne position. On avait déjà une évaluation des impacts. Lorsque nous avons émis ces titres verts, cette évaluation avait été demandé au gouvernement allemand. Nous avions donc un programme de longue date d'énergie renouvelable et nous avons pu utiliser toutes ces données pour l'émission de nos titres verts sur la base des estimatives d'impact de l'investissement de ce titre-là. Je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, il y avait encore un souci dans le marché par rapport à cela. Et dès le premier moment, nous avons fourni de la transparence et des informations au marché pour tranquilliser le marché. Et on n'aurait pas pu le faire sans ces informations, sans ces rapports. Ça n'aurait pas été possible à ce moment-là, en 2014, de faire ça. Et lorsque nous avons commencé, et la situation a beaucoup changé depuis 2014 par rapport à la publication des rapports d'impact. Lorsque nous avons commencé à élaborer ces lignes directrices des titres verts sur l'élaboration de rapports, cela a attiré d'autres banques à travailler avec nous et cela s'est appliqué également à la catégorie des énergies renouvelables. Et pendant la COP 21 à Paris, nous avons publié ce rapport qui a attiré l'attention de plusieurs parties prenantes et il s'agissait d'un document d'orientation avec des informations sur les principes plus généraux qui ce qu'on pourrait ou devrait attendre des émetteurs et en donnant aussi des informations avec beaucoup de détails au sujet de ce qui pourrait être inclus dans chacune de ces catégories-là. Nous avons conclu que l'impact absolu était quelque chose de très important, pas tout simplement l'impact relatif. Ainsi, nous avons commencé à publier, nous avons même décidé de publier des chiffres et des données absolues, pas tout simplement les données relatives, parce que nous estimons qu'il est important également. Les données relatives sont importantes, mais il est important de contextualiser ces informations. Dans le cas des énergies renouvelables,
different than if you invest in a country where renewable is still at a very low level. And the, l'impact du financement d'une énergie renouvelable dans un pays où ce type d'investissement existe est différent d'un investissement dans ce type d'énergie d'un pays où cela ne se produit pas. Ainsi, lors des débats concernant l'élaboration de rapports d'impact, nous avons décidé de créer ce groupe de travail concernant les rapports et nous avons commencé à ajouter d'autres catégories dans notre travail, car le marché des titres verts ne s'occupe pas tout simplement du climat. Nous devons tenir compte d'autres concepts, pas tout simplement par rapport au climat, mais également par rapport à d'autres avantages concernant d'autres sujets. Nous avons ainsi commencé à fournir des orientations sur le transport, l'adaptation de l'économie, ainsi que plusieurs autres aspects. Cependant, nous nous sommes rendus compte que les indicateurs que nous devons travailler avec plusieurs types d'indicateurs selon les objectifs environnementaux que nous avons devant nous. Pour certaines catégories, le contexte local est très important lorsque nous analysons ou lorsque nous déterminons plutôt les indicateurs. Ce que nous avons également fait est de créer des modèles pour que, à long terme, la vie des investisseurs puisse être plus facile. Nous estimons que nos modèles, pas complètement simples, mais assez utiles et peuvent être utilisés par un grand nombre d'investisseurs avec des informations de base en expliquant comment élaborer ces documents. Naturellement, il faut donner des informations quand on investit et aussi des caractéristiques générales du projet pour être sûr que l'impact général du projet soit clair pour tous les co-financeurs et aussi en ce qui concerne la location des ressources. En ce moment, nous n'avons qu'une catégorie et je souhaite dire également que le Banque européenne de développement était très actif de secteur et travaille beaucoup dans le domaine de le renouvellement durable par rapport au rapport. Ce que nous a dit Maria, j'estime qu'il y a une marge assez ample pour que les investisseurs participent davantage et nous sommes d'accord qu'il faut encore faire davantage pour atteindre une situation où nous puissions mieux comparer les impacts des différents émetteurs. Il est important que ces informations, ce n'est pas simplement le fait de faire du sens, mais que ces informations des différents rapports soient comparables. Par exemple, pouvoir comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Le langage est un point important par rapport à ce que vient de nous dire Miguel au sujet de l'excès d'évaluation et de rapports ou d'informations de certains rapports. Lorsque nous avons démarré notre travail, les calculs étaient presque tous faits à l'extérieur et cela peut avoir un impact sur le niveau de confiance des investisseurs. Autrement dit, il faut se demander si nous sommes en position de faire ces calculs et cette évaluation d'impact. Au sein de KfW, nous estimons que nous sommes encore dans un processus d'apprentissage et nous avons commencé ce projet
il y a à peu près 3 ans, mais après 1 an, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on devait être plus transparent par rapport à tout le processus d'élaboration de ces indicateurs. Et en effet, nous avons besoin d'une équipe consacrée à faire ce genre d'évaluation d'impact et aussi des rapports d'évaluation d'impact. C'est un travail assez intensif. Je pense que ce sera le prochain pas. Merci, Miguel. Merci d'avoir mentionné cela. À vrai dire, nous entamons un fort effort pour que ce soit le centre de notre prochain travail. Nous avons déjà débattu cela de façon assez intensive, mais nous devons nous concentrer davantage sur les émetteurs et augmenter la performance et la crédibilité des émetteurs. Je m'arrête, mais j'espère qu'on ait encore un peu de temps pour que l'on puisse débattre. Vous avez mentionné des points très intéressants, Doris. Je souhaite maintenant demander à que mon collègue parle un peu. Ensuite, je vous passe la parole pour demander ce qu'a dit Doris. Je voudrais qu'il nous parle un petit peu des infrastructures. Durabilité. La PGM a travaillé dans ce secteur et vous également au sein de PGM. Donc, je voudrais savoir que pensez-vous de cette situation et aussi du marché des titres. Vous pensez que vous avez les outils qui sont nécessaires et les outils adéquats pour faire ce genre d'évaluation? Oui. Merci, Sean, et merci de m'avoir invité. Il s'agit d'un domaine qui m'intéresse énormément. À vrai dire, se concentrer sur le résultat est un élément très important. Tout d'abord, lorsque nous pensons à une entreprise, à une entité qui a l'intention de générer des résultats, c'est l'objectif naturellement de toutes les entreprises. Et c'est le but de toute entreprise, que ce soit des émetteurs, émettrices de titres ou pas. Nous devons nous demander si dans le cas des titres ou si nous pensons à des impacts et des résultats, toute l'entreprise pense à cela ou juste une partie de l'entreprise y pense. Ce sont des évaluations qui sont faites tous les jours. Et nous avons plusieurs règles internes qui vont nous aider à déterminer si ce que l'on fait est suffisant ou pas. Je ne sais pas si tout cela sera très clair, parce que les règles changent. Et ce que nous pouvons faire, c'est de décider ce qui est important lorsque nous mesurons et nous évaluons ce que nous faisons. Si nos activités sont d'accord par rapport à nos buts et avec les accords de Paris, cela nous aide à mesurer les résultats de nos activités. Travaillons sur ça déjà il y a très longtemps. Et comme nous a dit Miguel, l'évaluation des résultats est un point central. Et dans le marché des titres et aussi dans le marché des actions, il y a plusieurs notations et classements. Mais il y a également une tendance à ce blanchiment vert, éco-blanchiment. Le greenwashing, quand on parle aussi de produits, de résultats, il est important de nous concentrer sur les impacts. Et aussi, il faudrait considérer le contexte où les impacts sont générés. Autrement dit, le titre, plus particulièrement, bénéficie l'énergie verte dans un endroit qui a vraiment besoin de cette énergie ou dans un endroit qui n'a pas vraiment besoin de cette énergie-là. Donc, nous devons penser également au but final, éviter les émissions de gaz carbonique. Il faut penser donc à un objectif intermédiaire, mais aussi à un objectif final. Il ne s'agit pas d'une répétition de concepts, rabâcher ce genre de choses.
Mais j'estime que ce serait plus intéressant de nous concentrer sur l'agrégation de ces impacts, d'ajouter ces impacts. Et aussi, cela, c'est pour notre portefeuille de titres verts et également pour les titres en général de toute entreprise ou institution financière ou entreprise d'investissement. Pensez à ce que veulent nos investisseurs et les informer à ce sujet. Il y a eu ce genre d'impact positif ou négatif. Et cet outil de communication est quelque chose qui peut nous aider à ajouter ces résultats et transmettre ces informations à nos investisseurs. J'arrête là, mais je pense qu'on peut débattre davantage plus tard. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous avez présenté cela de façon très claire. Je souhaite reprendre les commentaires de Timothy pour voir comment cela pourrait fonctionner dans les marchés émergents. Mais je pense que c'est un bon moment de demander l'avis de Maria sur la transparence. Maria, que vous pourriez dire dans ce contexte des Amériques? Merci. Merci. On a beaucoup parlé de la volatilité des données, des préoccupations des investisseurs et des émetteurs. La plateforme se dirige d'une façon beaucoup plus holistique. D'une part, dans les pays des Caraïbes, et c'est relativement petit par rapport au marché mondial, et on voit donc l'importance et il faut donc démontrer ce que ces actifs font. C'est essentiel pour que le marché puisse se développer, pas seulement pour les investisseurs, pour qu'ils se sentent intéressés à investir dans ces titres, mais aussi pour que les émetteurs se sentent plus enthousiastes et plus intéressés à prendre part de ce marché. Et nous avons déjà travaillé avec vous il y a 2 ans sur le rapport des marchés de titres d'Amérique latine. À peu près 50% des émetteurs publiaient des rapports sur ce qu'ils faisaient sur l'utilisation des fonds de leurs titres, mais cela a augmenté petit à petit. Et il ne s'agit pas d'avoir plus de clarté sur les indicateurs, mais également nous devons être à même de fournir aux investisseurs des informations sur ce que font les émetteurs. Cela augmente la complexité de notre travail, et notamment sur un marché qui n'est pas aussi développé que ça. Mais une bonne nouvelle que Miguel nous a donnée, c'est que de plus en plus d'émetteurs ont ces rapports. Et nous avons encore le manque de comparabilité. Mais si nous voulons démontrer les résultats d'un marché d'agrégation et si nous voulons dire que les marchés verts génèrent une valeur et que ça vaut la peine d'investir dans ces choses, et si on veut démontrer que ces activités-là sont en ligne avec les accords de Paris, nous devons augmenter la comparabilité de ces titres. Ainsi, je pense que ce débat est utile pour que l'on puisse tous élaborer sur ces cadres, parce qu'il y a beaucoup de confusion au niveau du marché. L'importance de plateformes comme celle de la transparence des titres verts est justement pour aider les émetteurs à améliorer leur rapport et aussi à faire en sorte que comment les émetteurs et font le rapport et la façon dont ces rapports sont élaborés. Ces activités sont en ligne avec différents types de taxonomies. Et d'une certaine façon, cela peut orienter les émetteurs à cheminer vers une standardisation. Et nous faisons cela, nous les orientons et nous essayons d'inciter
les investisseurs à s'intéresser davantage à cela et aussi de travailler avec des réviseurs qui cherchent à obtenir plus de comparabilité entre les activités des différents émetteurs. Le défi à relever est de créer plus de liens, des liens plus étroits en Amérique latine et ce qui est fait dans d'autres parties du monde. Cette plateforme de transparence est très intéressante, mais comment nous pouvons générer des plateformes plus mondiales, un travail plus mondial, et de quelle façon nous pouvons répondre et fournir des solutions à ces débats et à ces dialogues qui se produisent de façon parallèle dans différents contextes et dans différentes régions. Nous voulons tous promouvoir la même chose, la même standardisation. Le marché a besoin de cette standardisation, pas tout simplement parce que les investisseurs le souhaitent, mais sans aucun doute, nous, en tant que banque de développement des Amériques, banque interaméricaine, nous voulons aider les émetteurs à rendre compte que c'est un marché utile, un marché attirant, et que les investisseurs peuvent utiliser ce marché pour diffuser ce qu'ils font à leurs clients ou à leurs investisseurs, en parlant des banques. Et aussi, je voulais souligner, pas tout simplement les investisseurs et les émetteurs, nous devons aussi penser pas seulement à eux, mais développer le marché de façon globale et de donner plus de transparence, diffuser ce que font les titres pour que l'on puisse répondre à ce défi mondial. Et nous allons donc de cette façon atteindre de meilleurs résultats dans nos activités. L'investisseur va investir plus dans des titres verts. Merci beaucoup, Maria. Nous avons plusieurs points et nous allons juste mentionner certains. Votre commentaire était assez intéressant au niveau du marché. Je pourrais peut-être faire un résumé. Je voudrais aussi demander à Lucas de nous parler de façon générale par rapport à tout ce qu'il a entendu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous diriez des marchés dont nous avons entendu parler? Quelle serait donc cette vision générale? Merci, Sean. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Naturellement, je dois penser comment je pourrais ajouter quelque chose d'important à cette conversation si riche. Je vais essayer de le faire et de partager un petit peu notre expérience d'UNIP et l'anniversaire de 10 ans de la première émission de titres verts. Et comme vous avez dit, Sean, je vais vous parler un peu du commentaire de Timothy qui est très pertinent. La consolidation, la possibilité de mesure, de pouvoir établir des comparaisons. Mais ce qui est vraiment important, c'est que nous, à la banque, quand nous analysons les données d'impact pour diriger nos décisions pour notre portefeuille de titres verts, c'est un point de départ pour les investisseurs. Et moi, j'aimerais également vous parler un peu de notre expérience pour que, avant de parler du rapport extérieur, qui est comme la pointe de l'iceberg, il y a des dialogues avec les clients. Nous devons comprendre, évaluer les projets. Comme vous l'avez dit, Doris, nous devons savoir que notre méthodologie, la méthodologie du client est cohérente, que nous avons les données correctes parce que les données d'impact sont au cœur du flux de données, la qualité pour une banque au sein du projet. Ce qui est important pour vous, les investisseurs, cela doit travailler et nous devons avoir cette partie très développée tout au long des 10 dernières années. Et les autres questions également qui ont été si bien soulevées. Une fois qu'on a résolu tout cela, qu'on ait des systèmes
en temps réel et qu'on puisse prendre les bonnes décisions, comme vous l'avez dit vous-même, Sean. Peut-être qu'on aura beaucoup de métriques et beaucoup de sources de données. Alors, comment pourrons-nous faire un bon reporting de cet impact en le rendant en même temps facile à digérer, disons, par le public? Parce que c'est très complexe, en fait. Nous, on multiplie de ci, de là, tout à coup, on a une métrique, une mesure, et on a 50 trucs. Et en fait, c'est un peu difficile. Alors, encore une fois, il y a trois choses que nous essayons de développer. D'abord, la consolidation. Alors, on avait une obligation verte, on avait un reporting d'activité, un reporting de la position. Nous avons commencé à faire des reports sur le climat et ensuite nous avons commencé à faire des reportings sur les impacts. On a commencé à consolider ça dans un seul rapport et je pense que c'est la chose la plus correcte à faire. Nous avons donc créé un seul document avec plusieurs documents dedans. L'autre question est la capacité d'utiliser ces différents facteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, que nous puissions avoir des nombres clusterisés en groupe, mais qu'on puisse également montrer les détails des projets par secteur. Alors, en fait, c'est cette capacité qu'on aurait, disons, de faire un zoom sur les impacts, utiliser les sources d'Internet. Nous avons tous les genres de projets, de comparaisons, en comparaison avec les données agrégées. Et je pense que c'est un concept extrêmement intéressant et utile, comme l'a dit Marie également. C'est ce que j'appellerais la digitalisation, la numérisation des données d'impact. Et on a les technologies pour le faire à travers les plateformes. Il faut qu'on ait cette capacité de comparaison. Il faut voir donc si nous avons cette capacité, cette habileté, et il nous faut utiliser la technologie pour numériser et simplifier les choses que nous voyons sans perdre les informations essentielles. C'est sur quoi nous sommes en train de travailler, et vous avez cela sur votre diapositive, Miguel, où il faut développer justement ces différentes plateformes. Ce sont les réflexions que l'on fait de notre côté et je voudrais avoir vraiment un dialogue sur cela. Mais avant, je voudrais parler un petit peu, Sean, sur la question que vous avez soulevée. Nous pensons également que la transparence est au centre de la durabilité parce que c'est ce qui gère la confiance. Et sans la confiance, le marché ne marche pas. Donc, il est très important que nous travaillons sur cela. Nous sommes en train d'avoir beaucoup de réussite sur ce point. Alors, je pense que nous pouvons aller de l'avant. Je vous passe la parole à nouveau. Merci beaucoup, Lucas. Oui, nous avons des questions tactiques qui sont en train de se dérouler en Europe en ce moment pour trouver des solutions que nous devons avoir, ainsi que, par exemple, les standards des obligations pour que les investisseurs puissent avoir ces informations sous la main quand ils seront en train de présenter leur rapport aux régulateurs. Il y a donc plusieurs contributions à faire, mais il y a encore des tas de fils décapés, disons, pour que le standard européen soit vraiment faisable pour les investisseurs. Que pensez-vous qu'il nous faut vraiment préparer pour rendre tout cela possible dans les marchés émergents, par exemple? Nous avons en Europe cette capacité et cette disponibilité des données en Europe. Mais si on essaie d'encourager des émetteurs en Inde, en Afrique du Sud, au Pérou, dans d'autres endroits, que voyez-vous comme étant les problèmes ou, disons, les points de friction, si vous préférez qu'on les appelle comme ça, qu'il nous faut résoudre dans cette idée que nous avons par rapport à la transparence et au reporting? Il n'y a pas de débat à propos de la transparence. Quels sont les aspects et les principes qu'il faut suivre par rapport à la transparence pour que ce marché se développe? Donnez-nous une idée, donc, de ce que vous pensez être un bon aspect. Bon, c'est très difficile de pointer seulement un point important, un facteur. Il y a plusieurs aspects importants pour réparer, disons, les
pour surmonter les challenges de ces marchés qui sont plus difficiles. Il y a des suggestions que Lucas a montrées. Je pense qu'elles sont importantes pour ces marchés. En premier lieu, il nous faut comprendre ce qui mène les investisseurs à investir, quelles sont leurs demandes et leurs exigences et leurs attentes également. Et je pense que les investisseurs veulent des obligations vertes, mais ils veulent également analyser la qualité et la performance future de ces obligations. Ils vont voir la qualité de ce qu'il leur est offert. Et nous sommes sur un moment d'inflexion. Les investisseurs ne veulent pas qu'une obligation verte soit seulement verte. Ils veulent que ce soit quelque chose qui fasse une différence. Alors, il faut penser vraiment comment nous allons travailler sur ce marché d'obligations vertes, le transformer en un marché de haut impact. Qu'est-ce que ça signifie d'être un marché différent? Qu'est-ce que ça signifie justement d'avoir cette transparence que l'on attend, mais également la qualité des actifs qui seront évidemment une exigence de base pour que les investisseurs puissent voir ce que l'on est en train de faire et que cela s'encadre dans les paramètres. Et c'est très important. Les investisseurs doivent pouvoir comprendre vraiment ce qu'ils sont en train de faire et qu'il y ait un alignement entre la stratégie de l'entreprise par rapport à l'environnement, la partie climatique et aux transitions climatiques. Et tout ce qui est défendu justement dans ce cadre des obligations vertes. Nous avons obtenu plus de 30 milliards en opération pour ces obligations vertes pour nous dans nos opérations. Mais en fait, la partie importante sont les actions incorporées qui vont contre l'objectif de cette obligation verte. Alors, c'est une contraposition. Nous avons donc cette cadre des obligations vertes. Parfois, nous voyons un impact qui est très bon, de la bonne qualité également dans les actifs qui sont liés à cela. Mais, par contre, si on incorpore des actifs qui ne sont pas compatibles, comme par exemple, cette histoire de 1 degré, 1 degré et demi. Je pense donc qu'il est important de comprendre ce que les investisseurs désirent, c'est fondamental. Et il y a la question également des émetteurs, parce que les émetteurs, ils regardent leur pair dans ce sens. Et c'est important à prendre en compte. En second lieu, nous avons un point où nous avons cette capacité de développer les obligations et d'évaluer leur impact sur le projet, ce qui exige une infrastructure, une équipe dévouée ou consacrée à cela, justement. Et c'est faut donc avoir une équipe qui soit chargée de mettre en pratique l'obligation verte, et c'est important pour voir justement le progrès avec la durabilité pour le futur. En parlant d'une façon collective, nous pouvons faire davantage pour fournir les techniques qui permettent justement l'évaluation de ces résultats. Et l'Union européenne a vraiment focalisé sur ce qui se passe dans les dernières années. Et j'espère que dans le futur, ils vont également contempler les marchés émergents et qu'ils partageront leur savoir-faire, leur expérience dans ce sens pour se certifier que les marchés feront des progrès dans ce domaine, bien sûr. Et pour le secteur privé, il nous faut penser aux émetteurs. Il nous faut vraiment lier ces émissions à des projets qui soient significatifs, ce qui est un défi parce que le marché s'est élargi et l'idée que l'utilisation des ressources est ce qui compte. Nous avons donc des investissements sur le marché qui sont par exemple l'énergie fossile avec Repsol par exemple et l'entreprise d'énergie de l'Inde. Ils ont par exemple des usines à charbon
là-bas et des plantes électriques. Donc, les arguments qu'ils ont, c'est qu'ils retirent des bénéfices de ce genre d'émetteurs et la culture interne leur permet de faire cela. Alors, je vous demande, au sens où j'en comprends cela, nous devons avoir cet engagement. Il nous faut avoir tous les investisseurs, non pas seulement les investisseurs en equity, mais nous voyons plusieurs changements dans ce sens. Alors, quel est le genre de plan si on utilise, disons, les ressources avec le capital et si on retire, disons, l'allocation des fonds? Vous pouvez regarder cela et nous dire, il nous faut réfléchir comment est-ce que nous allons reconnaître l'utilisation, l'allocation de ces fonds et ces métriques d'une façon générale pour pouvoir montrer ce que nous avons fait pour qu'on ait, disons, un seuil où inclure ces plans de transition énergétique. Nous avons beaucoup de défis face à nous. Nous avons beaucoup d'organisations et d'obligations. Nous avons des obligations souveraines qui sont bien plus importantes maintenant. Nous en avons un qui est lié au climat, qui est adéquat et qui est sous l'accord de Paris. Et j'inclus ici l'Allemagne quand on parle justement des obligations souveraines. Il nous faut donc voir justement l'allocation de ces fonds. Et enfin, je pense que cette discussion est absolument très intéressante. Non, non, j'étais en train de rire. Vous avez raison. Dans votre bilan, il nous faut vraiment... je ne sais pas, moi, peut-être que c'est l'heure d'être un peu plus dur par rapport à ça, mais en étant un peu plus sérieux, je suis d'accord avec ce que Timothy a dit. C'est un bon argument contre le fait que l'obligation verte ou même contre ces entreprises qui vont plus loin, ils ont eu cette capacité d'avoir cette partie éducationnelle, cette conversation et de fonctionner comme un catalyseur. Et d'après ce que j'ai compris, là, aujourd'hui, on attend qu'aujourd'hui, tout cela soit très clair, très explicite. Et on veut que les gens pensent d'une façon explicite comment cela s'encadre dans une stratégie de transition. Cette stratégie, elle peut prendre un certain temps, peut-être que... Il y aura des cadres. Non, ça c'est très bien, mais c'est pour ça qu'on est en train de parler de ça. C'est pour ça que j'ai dit petit à petit. Sinon, cela ne ferait aucun sens si on ne continuait qu'à investir dans des obligations vertes. Et si on achète et ensuite on finit par avoir cette besoin de transition. Alors, la question de la granularité est importante. Il nous faut avoir plus de détails et prendre une position pour commencer cette conversation. Nous avons beaucoup de discussions sur s'il devrait y avoir un marché séparé pour les obligations de transition. Et il y a une grande partie, et la transition est extrêmement importante parce que la transition d'un côté peut être financée par les obligations vertes. Nous avons besoin de transition, tout est vert. Il nous faut encore avoir une période de transition. On ne va pas passer de l'un à l'autre directement. Alors, il nous faut développer cela. C'est le principe des obligations vertes. Ne sont pas différentes des orientations que nous appliquons aux organisations. Les obligations vertes, il nous faut donner un document qui permette la transition et qui les gouvernements devraient vraiment centrer leur attention sur ce contexte. Et c'est vraiment à la transition, faire cette transition pour s'aligner avec l'accord de Paris, ce qui ouvre la porte pour la question de ceux qui ne sont pas en conformité avec l'accord de Paris. Et je pense que le marché des obligations vertes n'existerait pas si tout le monde, nous avions l'accord de Paris financé par des obligations vertes. Et on revient là au point de la transparence. Il faut changer l'histoire. Et pour cela, il faut avoir une histoire, disons. Il faut qu'on ait... Pardon. Allez-y.
Je pense aux aspects techniques quand on parle des marchés émergents. Nous sommes dans une position différente. Il y a quelques années, ce n'était pas. On avait 30% des obligations en Amérique. Et c'était une situation où on disait, bon, on entre dans le marché, il commence à connaître le cadre et puis on va en savoir plus. Mais maintenant, il faut qu'on soit très responsable par rapport aux attentes. Ce n'est pas seulement quand on va faire l'émission qu'on doit être responsable et penser ce qu'on va montrer du point de vue de l'entreprise, en plus de l'assurance elle-même. Mais il faut commencer à penser directement de comment renforcer cela. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans et c'est la différence maintenant quand nous parlons par rapport aux aspects techniques et quelqu'un dans le marché nous dit que ce n'est pas seulement une attente d'avoir quelque chose d'un cadre qui soit bien, mais d'avoir un cadre qui montre vraiment comment l'entreprise a changé et comment elle peut montrer elle-même les impacts. Je pense qu'il y a cet aspect donc qui est un domaine qui, quoique nous ayons des bons progrès dans ces cadres dont nous parlons ici, c'est un domaine où il y a encore beaucoup de confusion du côté de l'assurance et où je ne vois pas très clairement la transparence et la taxonomie ou les notations de ESG qui sont justement des institutions et des entreprises qui sont en fait à la demande et qui manquent de données. Et ce que je dis, nous avons justement des assurances dans les régions, ce qui nous a fallu donner un appui à toute la notification, la notation ESG d'une entreprise. Et ce n'était pas tellement transparent. Alors, encore une fois, il nous faut avoir des standards qui soient harmonieux. Alors là, les investisseurs pourront faire des évaluations plus éclaircies. Il nous faut penser dans le futur comment nous allons promouvoir cette transparence des rapporteurs et justement également la partie des obligations souveraines est extrêmement importante. C'est extrêmement complexe. Nous avons des défis par rapport à cela et c'est pour cela que cette question des obligations vertes est si complexe. Nous pouvons utiliser les modèles, mais nous pouvons avoir des rapports complexes si nous facilitons les choses pour que les émetteurs puissent comprendre et que nous ayons cette capacité de comparaison pour pouvoir voir les différents domaines. Et je pense que c'est très important d'avoir ces modèles, c'est important pour faire des progrès, mais je pense que le lien avec les obligations souveraines est très important. Je trouve cette conversation extrêmement intéressante. Qui pourrait imaginer qu'on parlerait de ça il y a 2 ans? Le marché était trop petit. Maintenant, nous avons un grand marché. Nous avons cet intérêt qui est si puissant, ce désir d'engagement qui est si fort. Et vraiment, les obligations souveraines sont très fortes parce que nous espérons voir des émissions d'obligations vertes dans plusieurs pays d'Amérique latine et dans plusieurs marchés. Beaucoup de ceux-ci ont des taux de carbone très élevés. Alors, comment on va faire la gestion de cela à court terme? Vous me dites, ah oui, d'accord, on peut, tout le monde a un décès. Et, tout le monde a justement cela, même le Pakistan en a. Mais c'était une NDC. Donc, il nous faut avoir une évaluation, tout un processus d'évaluation de ce qui est montré pour pouvoir travailler justement sur ces domaines. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train d'analyser, par exemple? Je dirais que d'une forme plus générale, je suis d'accord que cette part des obligations souveraines est très intéressante, mais ce n'est pas si différent que la décision, par exemple, de décider de l'émission d'une obligation verte. Plusieurs parties prenantes responsables pour les dépenses du gouvernement sont en train de travailler ensemble et essayer de trouver des idées sur quels projets elles peuvent utiliser pour obtenir des financements pour qu'on ait ce genre d'obligation verte. Alors, je pense que juste le fait de commencer à parler sur ça et d'émettre des obligations vertes va déjà donner un appui pour le développement
des obligations souveraines qui doivent être également plus transparentes que dans le passé. Et les pays se sont engagés justement à utiliser le marché de capital, non seulement dans les marchés émergents, mais également dans notre pays, parce que le marché de capital est la source des financements. Alors, on ne peut pas endommager sa réputation parce que c'est un sujet extrêmement sérieux. Et là, il y a tant de parties différentes qui sont impliquées et ces parties gouvernementales différentes sont en train de travailler ensemble. Il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup d'obligations souveraines qui ont été émises dans le marché vert et je pense que cela augmenterait toujours. Ce devrait être plus élevé qu'à ce moment, c'est sûr. Mais on n'est pas encore parvenu à un niveau satisfaisant, mais je crois que quand on fait l'émission d'obligations vertes, on est en train de centrer sur cela. Nous avons également les différents cas, comme par exemple qui a vraiment des investissements qui sont plutôt bruns que verts et la transition est très lente en Indonésie. Alors, en termes de macro-réponse, c'est assez frappant. Mais il peut y avoir un engagement plus décidé de partie des souverains pour l'émission de ces obligations. Et je vois par exemple la Russie. On a eu un lancement tentatif à Moscou. Et comment est-ce que les investisseurs vont prendre, par exemple, une obligation souveraine russe? Est-ce que vous pouvez les répondre à ça? Je suis en train d'être polémique, bien sûr. Mais c'est une. Oui, voilà. La partie russe va probablement être difficile. Et il faut faire attention justement à la transition et à la perspective. Et je pense que même quand on parle justement de l'émission par la Russie d'obligations vertes, j'ai bien aimé cette idée justement de parler des métriques avec des différences, mais c'est important de réfléchir si on permet ces positions. Il nous faut donner une opportunité aux marchés émergents. On ne peut pas dire « Ah, si les données ne sont pas suffisamment vertes, alors on va les refuser ». Il y a certains niveaux de courage qui est nécessaire pour maintenir les choses plus à un niveau plus simple. Et si on pense aux investisseurs, il nous faut penser un peu à cette histoire justement de donner la parole à un groupe. Nous sommes en train d'investir dans les agrégés, dans ces portefeuilles. Alors, on ne peut pas être trop granulaire sur ce point, donc trop détailliste. Et il nous faut vraiment faire la gestion de l'impact de tout cela. On essaie de mesurer les impacts, mais si on avait l'expertise et le courage historique pour faire justement la gestion de ces impacts, mais il nous faut pouvoir être sûr que nous pouvons faire des comparaisons et que les émissions ne souffrent pas de ces différentes attentes de part des investisseurs. Et il nous faut assurer que ce ne soit pas plus compliqué que nécessaire. Et c'est difficile de discerner si l'obligation verte russe est fiable ou pas. Alors, on ne peut pas demander la Lune. Il faut vraiment voir les impacts, mesurer les impacts, voir quelle est la différence factuelle que ce facteur va amener. Nous sommes en train de parvenir à la fin de notre séance. Je voudrais demander un dernier commentaire par rapport aux dernières questions qui sont sur le chat. Luciane du Brésil nous demande si nous allons voir les rapports des impacts négatifs décrit par les émetteurs, parce qu'en fait, il y a toute cette question de l'évaluation. Et je voudrais également parler de la publication du rapport qui sera publié basé sur les principes des obligations vertes. Vous verrez les informations. Mais
allons voir la partie de base d'abord, ce qui est essentiel pour pouvoir discuter des ressources. On a dit que c'était vraiment un processus de transition qui n'est pas facile. Demain, on va avoir A, B, C et D. Oui, j'ai très bien compris cela. C'est un changement, une transition, mais il y a justement cet aspect qui est intéressant, est excitant quand on voit des investisseurs de revenus fixes qui pensent ce qu'ils peuvent faire de plus, disons, comme actionnaires, et si là, on peut prendre des investisseurs de, d'investissement à revenus fixes et les intéresser. On veut toujours s'impliquer dans ce que vous êtes en train de faire. Et là, on va peut-être visiter le ministère de la Trésorerie en Inde et peut-être qu'ils vont émettre une obligation verte. Et ça peut être une de ces questions qu'on va examiner sur ce marché, ce qui a été l'habituel en ce moment comparé au passé. C'était un marché plus passif avant. Alors, j'ai cette idée que c'est devenu plus vivant. Ce que je cherche, c'est une réflexion, qu'est-ce qui se passe, où allons-nous, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, qu'en pensez-vous? Nous avons 110 pays qui participent de cette conférence et nous avons un plus grand pays dans, nombre de pays dans le monde. Comment allons-nous assurer donc que nous aurons plus de contrôle des émissions? Quels sont les conseils que nous pouvons leur donner? J'ai été le dernier, la dernière. Je crois que, honnêtement, il faut commencer à avoir des progrès. Je crois que nous allons voir différentes vitesses, des domaines, des zones qui seront plus sophistiquées, plus rapides, qui vont vont résoudre cette barrière des impacts, d'autres pays qui vont entrer dans les obligations vertes. On ne peut pas élever le seuil dès le début. On peut d'abord commencer et travailler dans ce sens. Je crois qu'on va avoir des progrès. Et toi, Doris, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que ce ne soit pas très encourageant, mais parfois, quand on parle sur les obligations vertes et les marchés émergents, les gens doivent être clairs sur cela. Les marchés émergents auront des obligations vertes et les marchés locaux pourront fonctionner s'ils ont déjà un marché de capital développé, parce que l'obligation verte ne peut pas être la solution pour des endroits qui n'ont pas un marché de capital déjà développé. Les investisseurs ne regardent pas seulement le vert de l'obligation et ils veulent la partie éthique. Je ne veux pas être négative, mais je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut tenir en compte quand nous parlons d'obligation verte. Et nous devons voir que c'est un paquet. Il y a beaucoup d'attention. C'est très important que ces marchés suivent le rythme de ces émissions environnementales et les investisseurs doivent regarder davantage les marchés émergents. Nous avons une solution dans ce genre de discussion qui devient de plus en plus ample, plus large, et c'est intéressant de voir qu'un quart des obligations vertes sont de pays émergents, comme la Chine, par exemple. Et nous avons donc toute cette partie de la transparence à la Chine et les régulateurs ont fait que cela ait lieu avec des règles assez dures. Et je pense que cette partie des émissions va augmenter et ce marché va grandir. Timothy, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre dernier commentaire pour nous ici? Je crois que votre micro est débranché là. Voilà, j'espère que ça marche, que vous pouvez m'entendre. Une obligation verte est une innovation financière pour le bien de tous, le bien général, et je pense que nous voulons essayer de faire davantage sur les marchés émergents. Ce n'est pas une frontière des financements verts. Il nous faut trouver les structures correctes et on peut avoir plusieurs façons de faire cela,
mais je pense que ce serait intéressant que nous ayons un programme justement dans la sûreté, un marché de capital bien développé. Il nous faut vraiment avoir une décarbonisation. Les obligations vertes ont été importantes sur ce point et ont eu beaucoup de succès. Il nous faut faire davantage, un progrès continu, disons. Moi, je dirais que ici, spécialement en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous voyons un marché qui s'agrandit. Le challenge, c'est qu'en ce moment, il nous faut avoir cet effet, un marché de capital qui soit bien établi et que cela devienne une opportunité pour que ce marché de capital s'améliore, se consolide et une fois qu'il sera plus robuste, que ce sera quelque chose qui nous permettra de faire une différence pour être aligné avec l'accord de Paris. Et c'est le défi en Amérique latine, dans les Caraïbes, nous voyons le marché qui change, mais nous pouvons avoir un problème avec la crédibilité de ce marché. Et c'est important, justement, appuyer ce marché pour qu'il puisse s'élargir, pour qu'on ait des standards communs et plus de clarté sur les impacts, ce qui est fait et ce qui résulte justement de cette atténuation, réduction des gaz. Il nous faut justement focaliser sur ces changements climatiques. Il n'y a, pas beaucoup de choses ici à ajouter, mais si on peut prendre une page de cette discussion du marché d'action, d'equity, et je pense que c'est intéressant parce que je crois que ce sera la nouvelle vague du futur et c'est un nouveau jeu et c'est difficile à standardiser, mais c'est ce qui justement maintient en vie le marché des obligations vertes et nous voyons beaucoup de gens qui travaillent dans le marché financier et nous aimons venir avec un paquet d'indicateurs centraux qui puissent nous montrer. Ces indicateurs n'ont pas été utilisés pour les objectifs secondaires. Il y a toujours ce désir d'avoir une cohésion. Tout ce marché, comme vous l'avez dit, a augmenté basé sur le rapport de transparence qui est fondamental et qui nous montre ce que les gens sont en train de faire. Il nous faut voir ce que les gens sont en train de développer. C'est cela qu'on a parlé. Mais c'est comment ça change de plus en plus. Les choses changent. Et ce que nous voyons être comme une ambition dans ce domaine. Il nous faut vraiment travailler sur ces défis qui sont énormes. Ce sont des défis pour les grandes économies, pour que nous puissions avoir ces 29, 30 objectifs dans nos points de vue. Et nous, il nous faut voir comment les entités sont en train de faire cette transition. Nous avons donc cette idée d'analyser la performance des entités et d'intéresser les investisseurs à un revenu fixe. Nous allons voir ça de plus en plus l'année prochaine. Mais en ce moment, je veux conclure. Je veux remercier nos intervenants d'aujourd'hui, Marianette, Boris et tous les autres. C'est vraiment un panel extrêmement intéressant et nous avons encore d'autres choses qui sont en train d'être faites maintenant dans les principes, dans les titres verts et GDPC nous allons maintenir cela et essayons de transformer cela en un marché tout à fait plein d'énergie, disons, et c'est un grand challenge que nous avons. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous pour être avec nous ici aujourd'hui. C'était très bon de pouvoir vous parler. Merci beaucoup. Thank you for sponsoring this conference.